Welcome to PhraseCamp Language Academy. Let's learn a foreign language, one phrase at a time. My salary is very high. Mon salaire est très élevé. Mon salaire est très élevé. His job income is high. Le revenu de son travail est élevé. Le revenu de son travail est élevé. The income from my job is low. Le revenu de mon travail est faible. Le revenu de mon travail est faible. I get paid an hourly rate. Je suis payé à l'heure. Je suis payé à l'heure. My hourly rate is rather low. Mon taux horaire est plutôt bas. Mon taux horaire est plutôt bas. I wish my hourly rate were higher. J'aimerais que mon taux horaire soit plus élevé. J'aimerais que mon taux horaire soit plus élevé. Her salary is high, but mine is low. Son salaire est élevé, mais le mien est faible. Son salaire est élevé, mais le mien est faible. I want a pay raise. Je veux une augmentation de salaire. Je veux une augmentation de salaire. My boss won't give me a pay raise. Mon patron ne me donnera pas d'augmentation de salaire. Mon patron ne me donnera pas d'augmentation de salaire. I will ask for a pay raise. Je vais demander une augmentation de salaire. Je vais demander une augmentation de salaire. When shall I ask for a pay raise? Quand vais-je demander une augmentation de salaire? Quand vais-je demander une augmentation de salaire? It's not a good time to ask for a pay raise. Ce n'est pas le bon moment pour demander une augmentation de salaire. Ce n'est pas le bon moment pour demander une augmentation de salaire. My salary is too low, so I will ask for a pay raise. Mon salaire est trop bas, je vais donc demander une augmentation. Mon salaire est trop bas, je vais donc demander une augmentation. Can I get a pay raise? Puis-je obtenir une augmentation de salaire? Puis-je obtenir une augmentation de salaire? No, I won't give you a pay raise. Non, je ne vous accorderai pas d'augmentation de salaire. Non, je ne vous accorderai pas d'augmentation de salaire. Why can't you give me a pay raise? Pourquoi ne pouvez-vous pas m'accorder une augmentation de salaire? Pourquoi ne pouvez-vous pas m'accorder une augmentation de salaire? I don't have money to give you a pay raise. Je n'ai pas d'argent pour t'accorder une augmentation de salaire. Je n'ai pas d'argent pour t'accorder une augmentation de salaire. Please give me a pay raise. S'il te plaît, donne-moi une augmentation de salaire. S'il te plaît, donne-moi une augmentation de salaire. You don't deserve a pay raise. Tu ne mérites pas d'augmentation de salaire. Tu ne mérites pas d'augmentation de salaire. Why don't I deserve a pay raise? Pourquoi je ne mérite pas d'augmentation de salaire? Pourquoi je ne mérite pas d'augmentation de salaire? Can I get a pay raise? Puis-je avoir une augmentation de salaire?
Puis-je avoir une augmentation de salaire? I wish I had your job. J'aimerais avoir ton travail. J'aimerais avoir ton travail. I am so jealous of her job. Je suis tellement jalouse de son travail. Je suis tellement jalouse de son travail. Her job sounds so interesting. Son travail a l'air si intéressant. Son travail a l'air si intéressant. Your job sounds interesting. Ton travail a l'air intéressant. Ton travail a l'air intéressant. What do you do at your job? Que faites-vous à votre travail? Que faites-vous à votre travail? At work, I usually talk to customers and do a lot of paperwork. Au travail, je parle généralement aux clients et je fais beaucoup de paperasse. Au travail, je parle généralement aux clients et je fais beaucoup de paperasse. I have to go on a lot of business trips during the year. Je dois effectuer de nombreux voyages d'affaires au cours de l'année. Je dois effectuer de nombreux voyages d'affaires au cours de l'année. I usually get up early for work. Je me lève généralement tôt pour aller travailler. Je me lève généralement tôt pour aller travailler. I finish work around 6 in the evening. Je termine mon travail vers 18 heures. Je termine mon travail vers 18 heures. She usually gets off work at around 8 p.m. Elle termine généralement son travail vers 20 heures. Elle termine généralement son travail vers 20 heures. My job is so boring. Mon travail est tellement ennuyeux. Mon travail est tellement ennuyeux. I hate getting up to go to work. Je déteste me lever pour aller travailler. Je déteste me lever pour aller travailler. I hate my job. Je déteste mon travail. Je déteste mon travail. I don't hate my job, but I don't like it too. Je ne déteste pas mon travail, mais je ne l'aime pas non plus. Je ne déteste pas mon travail, mais je ne l'aime pas non plus. My job is neither good nor bad. Mon travail n'est ni bon ni mauvais. Mon travail n'est ni bon ni mauvais. It gets really busy during the summer break. Il y a beaucoup de travail pendant les vacances d'été. Il y a beaucoup de travail pendant les vacances d'été. Sometimes I have to work overtime. Parfois, je dois faire des heures supplémentaires. Parfois, je dois faire des heures supplémentaires. She wants to quit her job. Elle veut quitter son emploi. Elle veut quitter son emploi. He went to a job interview yesterday. Il est allé à un entretien d'embauche hier. Il est allé à un entretien d'embauche hier. John is a full-time employee. John est un employé à temps plein. John est un employé à temps plein. Sarah is a full-time employee at a graphic design company. Sarah est employée à plein temps dans une entreprise de conception graphique. Sarah est employée à plein temps dans une entreprise de conception graphique.
I'm a freelancer. Je suis un pigiste. Je suis un pigiste. He is a freelance journalist. Il est journaliste indépendant. Il est journaliste indépendant. She is a freelance photographer. Elle est photographe indépendante. Elle est photographe indépendante. I am a musician. Je suis un musicien. Je suis un musicien. I'm a freelance writer, but my pay is low. Je suis un écrivain indépendant mais je suis mal payé. Je suis un écrivain indépendant mais je suis mal payé. My pay is low, but I love what I do. Mon salaire est bas mais j'aime ce que je fais. Mon salaire est bas mais j'aime ce que je fais. I have to travel a lot for my work. Je dois beaucoup voyager pour mon travail. Je dois beaucoup voyager pour mon travail. I work from home. Je travaille à la maison. Je travaille à la maison. He is always in the office. Il est toujours au bureau. Il est toujours au bureau. Does she work from home? Travaille-t-elle à la maison? Travaille-t-elle à la maison? Are you a freelance journalist? Êtes-vous un journaliste indépendant? Êtes-vous un journaliste indépendant? He never leaves the house. Il ne quitte jamais la maison. Il ne quitte jamais la maison. Do you work from home? Travaillez-vous à domicile? Travaillez-vous à domicile? I'm really tired from work. Je suis vraiment fatigué par le travail. Je suis vraiment fatigué par le travail. I think I need a holiday. Je pense que j'ai besoin de vacances. Je pense que j'ai besoin de vacances. She'll be taking a vacation next week. Elle prendra des vacances la semaine prochaine. Elle prendra des vacances la semaine prochaine. John will be taking a vacation to Hawaii next month. John prendra des vacances à Hawaii le mois prochain. John prendra des vacances à Hawaii le mois prochain. Sam will be on vacation. Sam sera en vacances. Sam sera en vacances. I am on vacation. Je suis en vacances. Je suis en vacances. They're not on vacation. Ils ne sont pas en vacances. Ils ne sont pas en vacances. Are you on holiday? Êtes-vous en vacances? Êtes-vous en vacances? Are they on vacation? Sont-ils en vacances? Sont-ils en vacances? Where are you going during the summer break? Où allez-vous pendant les vacances d'été? Où allez-vous pendant les vacances d'été? Where are they going during the winter break? Où vont-ils pendant les vacances d'hiver? Où vont-ils pendant les vacances d'hiver?
Where are you going this weekend? Où allez-vous ce week-end? Où allez-vous ce week-end? I'm going to watch a movie. Je vais regarder un film. Je vais regarder un film. She's going to go shopping this weekend. Elle va faire du shopping ce week-end. Elle va faire du shopping ce week-end. They're going to go fishing tomorrow. Ils vont aller à la pêche demain. Ils vont aller à la pêche demain. I'll be going to the zoo with my children on Saturday. Je vais aller au zoo avec mes enfants samedi. Je vais aller au zoo avec mes enfants samedi. She'll be going to the mall with her boyfriend on Sunday. Dimanche, elle ira au centre commercial avec son petit ami. Dimanche, elle ira au centre commercial avec son petit ami. You'll be going to school with your younger brother today. Tu vas aller à l'école avec ton petit frère aujourd'hui. Tu vas aller à l'école avec ton petit frère aujourd'hui. It'll be fun. Ce sera amusant. Ce sera amusant. It won't be fun. Ce ne sera pas amusant. Ce ne sera pas amusant. Will it be fun? Est-ce que ce sera amusant? Est-ce que ce sera amusant? Maybe it'll be fun. Peut-être que ce sera amusant. Peut-être que ce sera amusant. I think it will be fun. Je pense que ce sera amusant. Je pense que ce sera amusant. I don't think it'll be fun. Je ne pense pas que ce sera amusant. Je ne pense pas que ce sera amusant. Let's go, it'll be fun. Allons-y, ça va être amusant. Allons-y, ça va être amusant. I want to go there. I think it'll be fun. Je veux y aller. Je pense que ça va être amusant. Je veux y aller. Je pense que ça va être amusant. Let's not go. It won't be fun. N'y allons pas. Ce ne sera pas amusant. N'y allons pas. Ce ne sera pas amusant. It won't be fun at all. Ce ne sera pas drôle du tout. Ce ne sera pas drôle du tout. What do you like to do for fun? Qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser? Qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser? I like to go shopping with my friends at the weekend. J'aime aller faire du shopping avec mes amis le week-end. J'aime aller faire du shopping avec mes amis le week-end. I like to read at home. J'aime lire à la maison. J'aime lire à la maison. I love watching Netflix at home. J'aime regarder Netflix à la maison. J'aime regarder Netflix à la maison. I like sleeping. J'aime dormir. J'aime dormir. I love traveling around the world. J'aime voyager dans le monde entier. J'aime voyager dans le monde entier.
Do you have any hobbies? Avez-vous des passe-temps? Avez-vous des passe-temps? Tell me about your hobbies. Parlez-moi de vos passe-temps. Parlez-moi de vos passe-temps. I like uploading photos on Instagram. J'aime télécharger des photos sur Instagram. J'aime télécharger des photos sur Instagram. I like uploading videos on YouTube. J'aime télécharger des vidéos sur YouTube. J'aime télécharger des vidéos sur YouTube. I like watching superhero movies. J'aime regarder des films de super-héros. J'aime regarder des films de super-héros. I like exercising outdoor, like hiking and running. J'aime faire de l'exercice en plein air comme la randonnée et la course à pied. J'aime faire de l'exercice en plein air comme la randonnée et la course à pied. My hobbies are ice skating, reading and playing video games. Mes passe-temps sont le patinage sur glace, la lecture et les jeux vidéo. Mes passe-temps sont le patinage sur glace, la lecture et les jeux vidéo. My hobbies are relaxing and traveling. Mes passe-temps sont la relaxation et les voyages. Mes passe-temps sont la relaxation et les voyages. My hobbies are shopping, eating and uploading photos on Instagram. Mes loisirs sont le shopping, manger et télécharger des photos sur Instagram. Mes loisirs sont le shopping, manger et télécharger des photos sur Instagram. I love watching horror movies. J'adore regarder des films d'horreur. J'adore regarder des films d'horreur. What about you? Et toi? Et toi? What do you like to do? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? I like to go snorkeling and scuba diving. J'aime faire du snorkeling et de la plongée sous-marine. J'aime faire du snorkeling et de la plongée sous-marine. Do you want to go snorkeling with me? Veux-tu venir faire de la plongée avec moi? Veux-tu venir faire de la plongée avec moi? Do you want to see a movie with me? Veux-tu voir un film avec moi? Veux-tu voir un film avec moi? What are you going to watch? Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas regarder? Does he want to go traveling with you? Est-ce qu'il veut partir en voyage avec toi? Est-ce qu'il veut partir en voyage avec toi? I don't think he wants to go traveling with us. Je ne pense pas qu'il veuille partir en voyage avec nous. Je ne pense pas qu'il veuille partir en voyage avec nous. Does she want to come with us? Est-ce qu'elle veut venir avec nous? Est-ce qu'elle veut venir avec nous? They don't want to come with us. Ils ne veulent pas venir avec nous. Ils ne veulent pas venir avec nous. Do you want to have dinner with me? Tu veux dîner avec moi? Tu veux dîner avec moi? Not tonight. How about next week, though? Pas ce soir. Mais pourquoi pas la semaine prochaine?
pas ce soir. Mais pourquoi pas la semaine prochaine? Do they want to travel with you? Est-ce qu'elles veulent voyager avec toi? Est-ce qu'elles veulent voyager avec toi? Yeah, they're going to travel with me. Oui, ils vont voyager avec moi. Oui, ils vont voyager avec moi. Do you often go hiking? Vous faites souvent de la randonnée? Vous faites souvent de la randonnée? Yes, I go hiking twice a month. Oui, je fais de la randonnée deux fois par mois. Oui, je fais de la randonnée deux fois par mois. Do you travel often? Voyagez-vous souvent? Voyagez-vous souvent? How often do you travel? Combien de fois voyagez-vous? Combien de fois voyagez-vous? I often travel for work. Je voyage souvent pour le travail. Je voyage souvent pour le travail. You don't often travel, do you? Vous ne voyagez pas souvent, n'est-ce pas? Vous ne voyagez pas souvent, n'est-ce pas? I travel but not often. Je voyage mais pas souvent. Je voyage mais pas souvent. What was your major in college? Quelle était votre spécialité à l'université? Quelle était votre spécialité à l'université? When did you graduate? Quand avez-vous obtenu votre diplôme? Quand avez-vous obtenu votre diplôme? I graduated in 2008. J'ai obtenu mon diplôme en 2008. J'ai obtenu mon diplôme en 2008. I didn't graduate. Je n'ai pas eu mon diplôme. Je n'ai pas eu mon diplôme. What was your major? Quelle était votre spécialité? Quelle était votre spécialité? I majored in math. J'ai étudié les mathématiques. J'ai étudié les mathématiques. I majored in history. Moi, j'ai étudié l'histoire. Moi, j'ai étudié l'histoire. She majored in physics. Elle a étudié la physique. Elle a étudié la physique. He majored in chemistry and biology. Il était spécialisé en chimie et en biologie. Il était spécialisé en chimie et en biologie. I majored in computer science. J'ai étudié l'informatique. J'ai étudié l'informatique. She majored in artificial intelligence. Elle est spécialisée en intelligence artificielle. Elle est spécialisée en intelligence artificielle. You majored in engineering. Tu es diplômé en ingénierie. Tu es diplômé en ingénierie. They majored in business. Ils sont spécialisés en commerce. Ils sont spécialisés en commerce. I majored in accounting. How about you? Moi, la comptabilité. Et toi? Moi,
La comptabilité. Et toi? I didn't major in accounting. Je ne me suis pas spécialisée en comptabilité. Je ne me suis pas spécialisée en comptabilité. I didn't major in finance. I majored in marketing. Je n'ai pas fait de la finance. J'ai étudié le marketing. Je n'ai pas fait de la finance. J'ai étudié le marketing. I didn't major in English, but I majored in business. Je n'ai pas étudié l'anglais, mais j'ai étudié le commerce. Je n'ai pas étudié l'anglais, mais j'ai étudié le commerce. You didn't major in finance. Tu n'as pas été major en finance. Tu n'as pas été major en finance. He didn't major in history, but majored in English. Il n'a pas étudié l'histoire mais l'anglais. Il n'a pas étudié l'histoire mais l'anglais. She didn't major in business, but majored in history. Elle n'a pas étudié le commerce mais l'histoire. Elle n'a pas étudié le commerce mais l'histoire. Did you major in history? Tu as été major en histoire? Tu as été major en histoire? Did she major in marketing? Et elle, le marketing? Et elle, le marketing? I double majored in finance and business. J'ai fait une double spécialisation en finance et en commerce. J'ai fait une double spécialisation en finance et en commerce. I double majored in English and history. J'ai fait l'anglais et l'histoire. J'ai fait l'anglais et l'histoire. My double majors were chemistry and biology. Mes deux matières principales étaient la chimie et la biologie. Mes deux matières principales étaient la chimie et la biologie. Her double majors were sociology and archaeology. Elle, c'était la sociologie et l'archéologie. Elle, c'était la sociologie et l'archéologie. Which university did you go? Dans quelle université es-tu allée? Dans quelle université es-tu allée? Which college did you go? Quelle université avez-vous fréquenté? Quelle université avez-vous fréquenté? Which school did you go? Quelle école avez-vous fréquenté? Quelle école avez-vous fréquenté? I went to Cambridge University. Je suis allée à l'université de Cambridge. Je suis allée à l'université de Cambridge. I went to Harvard. Je suis allée à Harvard. Je suis allée à Harvard. She went to Yale. Elle est allée à Yale. Elle est allée à Yale. They went to Stanford. Ils sont allés à Stanford. Ils sont allés à Stanford. He went to Oxford. Il est allé à Oxford. Il est allé à Oxford. I went to a local community college. Je suis allée dans un collège communautaire local. Je suis allée dans un collège communautaire local. I went to high school.
Je suis allé au lycée. Je suis allé au lycée. She went to a local high school. Elle est allée dans un lycée local. Elle est allée dans un lycée local. He went to college. Il est allé à l'université. Il est allé à l'université. They went home. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. He attended school. Il est allé à l'école. Il est allé à l'école. She attended a school in New Zealand. Elle a fréquenté une école en Nouvelle-Zélande. Elle a fréquenté une école en Nouvelle-Zélande. William attended a university in England. William a fréquenté une université en Angleterre. William a fréquenté une université en Angleterre. Did she go to high school? Est-elle allée au lycée? Est-elle allée au lycée? Did he go to Oxford University? Est-il allé à l'université d'Oxford? Est-il allé à l'université d'Oxford? Did you go to school? Êtes-vous allé à l'école? Êtes-vous allé à l'école? Did I go to university? Est-ce que je suis allé à l'université? Est-ce que je suis allé à l'université? Did we go to college? Sommes-nous allés à l'université? Sommes-nous allés à l'université? No, I didn't go to Oxford. Non, je ne suis pas allé à Oxford. Non, je ne suis pas allé à Oxford. No, she didn't go to Harvard. Non, elle n'est pas allée à Harvard. Non, elle n'est pas allée à Harvard. No, he didn't go to community college. Non, il n'est pas allé au collège communautaire. Non, il n'est pas allé au collège communautaire. No, they didn't go to any college. Non, ils ne sont allés dans aucune université. Non, ils ne sont allés dans aucune université. No, he didn't go to any university. Non, il n'est pas allé dans une université. Non, il n'est pas allé dans une université. No, she didn't go to high school. Non, elle n'est pas allée au lycée. Non, elle n'est pas allée au lycée. Kelly attended a liberal arts college. Kelly est allée dans une université d'arts libéraux. Kelly est allée dans une université d'arts libéraux. He attended a technical college. Il est allé dans une université technique. Il est allé dans une université technique. Sarah attended a nursing school. Sarah est allée dans une école d'infirmière. Sarah est allée dans une école d'infirmière. Did you attend university? Êtes-vous allé à l'université? Êtes-vous allé à l'université? Did she attend college? Est-elle allée à l'université? Est-elle allée à l'université?
Did they attend school? Sont-ils allés à l'école? Sont-ils allés à l'école? Did I attend community college? Est-ce que je suis allé à l'université? Est-ce que je suis allé à l'université? No, I didn't attend university. Non, je ne suis pas allé à l'université. Non, je ne suis pas allé à l'université. No, she didn't attend work. Non, elle n'est pas allée au travail. Non, elle n'est pas allée au travail. No, he didn't attend a technical college. Non, il n'est pas allé dans un collège technique. Non, il n'est pas allé dans un collège technique. No, they didn't attend high school. Non, ils n'ont pas fréquenté l'école secondaire. Non, ils n'ont pas fréquenté l'école secondaire. I graduated from university. Je suis diplômé de l'université. Je suis diplômé de l'université. They graduated from college. Ils ont été diplômés de l'université. Ils ont été diplômés de l'université. He graduated from high school last year. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires l'année dernière. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires l'année dernière. She graduated from college in 2016. Elle a été diplômée de l'université en 2016. Elle a été diplômée de l'université en 2016. They graduated from university in 2018. Ils ont été diplômés de l'université en 2018. Ils ont été diplômés de l'université en 2018. I will graduate next year. Je serai diplômé l'année prochaine. Je serai diplômé l'année prochaine. She will be graduating in 2021. Elle sera diplômée en 2021. Elle sera diplômée en 2021. Sam graduated from a military school a few years ago. Sam a été diplômé d'une école militaire il y a quelques années. Sam a été diplômé d'une école militaire il y a quelques années. Sarah graduated with honors. Sarah a obtenu son diplôme avec mention. Sarah a obtenu son diplôme avec mention. I graduated with a degree in marketing. J'ai obtenu un diplôme en marketing. J'ai obtenu un diplôme en marketing. She graduated with a finance degree. Elle a obtenu un diplôme en finance. Elle a obtenu un diplôme en finance. They graduated with a double degree. Ils ont eu un double diplôme. Ils ont eu un double diplôme. I graduated with an MBA. Je suis diplômé d'un MBA. Je suis diplômé d'un MBA. He graduated with a high school diploma. Il a obtenu un diplôme d'études secondaires. Il a obtenu un diplôme d'études secondaires. I graduated with a bachelor's degree in business. Je suis diplômé d'une licence en commerce. Je suis diplômé d'une licence en commerce.
She has a master's degree in engineering. Elle est diplômée d'une maîtrise en ingénierie. Elle est diplômée d'une maîtrise en ingénierie.